objectif pour la commune de Bully-les-Mines au travers de ces opérations Habitat, c'est d'abord de maintenir le niveau de population qui est le nôtre. Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 12 000 habitants. L'objectif pour nous, c'est de maintenir effectivement ce niveau de population. Or, on sait, au regard des modes de vie actuels, que pour conserver le même nombre d'habitants, eh bien, il faut aujourd'hui un peu plus de logements. Ce que nous voulons aussi, au travers cette politique du logement, c'est permettre aux habitants de notre commune ou des communes voisines du territoire, eh bien, de pouvoir réaliser leur projet d'accession à la propriété ici chez nous, dans notre commune de Bully-les-Mines. On s'intéresse aussi bien sûr au logement locatif social et l'objectif c'est de proposer eh bien, de nouveaux logements qui seront beaucoup plus adaptés, notamment eh bien, à nos seniors. Et depuis que nous avons relancé des opérations d'aménagement à vocation Habitat depuis maintenant une vingtaine d'années, notre objectif c'est effectivement d'avoir une bonne mixité sociale. Nous sommes aujourd'hui dans une commune qui a à peu près un taux de logements locatifs sociaux de 49%, ce qui est relativement important, du fait notamment du parc d'habitat minier. L'objectif pour nous, eh bien, c'est justement de rééquilibrer et d'avoir davantage eh bien, de propriétaires, d'accédants à la propriété. C'est l'objectif effectivement que nous recherchons au travers de ces opérations, sur le quartier des Brebis avec une opération d'une vingtaine de logements et sur ce quartier ici des Castors avec une opération de 50 logements en accession à la propriété. Alors, le partenariat avec Territoire 62, il est assez ancien hein, dans notre commune puisque toutes nos opérations d'aménagement à vocation Habitat sont réalisées avec Territoire 62. Pourquoi ? Parce que d'une, nous n'avons pas la capacité, nous, ville de Bully-les-Mines, notre collectivité n'a pas la capacité, à la fois sur le plan financier mais en termes d'ingénierie, pour réaliser, pour porter de telles opérations. Donc c'est pour ça qu'on a ce partenariat depuis de nombreuses années avec Territoire 62. Ces opérations, on les conçoit ensemble, avec les objectifs qui sont ceux de la municipalité. Ensuite, Territoire 62 nous apporte son expertise en matière de conception d'opérations, en matière également eh bien, de ciblage des produits que nous commercialisons. Et puis bien sûr, Territoire 62 nous apporte aussi sa force, sa capacité en matière de commercialisation des opérations. Et si je fais un peu de rétrospective depuis ces 20 dernières années, toutes nos opérations réalisées avec Territoire 62 sont aujourd'hui de véritables réussites, de véritables succès.